faire vous parler, et c'est un sujet important. Souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, votre façon n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans le bidonville. Comment peut-on t'accepter dans cette société? C'est même une égalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Le soir comme la journée, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à l'affût. À l'affût d'ignorants, de nouveaux jeunes perdus. Maudit est le jour où cette drogue est apparue. Car ces enfants, elles si jeunes, sont sa proie préférée. Elles se permettent avec l'envie aux jeunes de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela face à eux. N'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison, la drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révolté. Est-ce que tu me comprends? Car je me sens concerné. En tant qu'adolescent, une telle situation je ne supporterai pas longtemps. Oh oui, vous faites raisonner. Tel est mon idéal, c'est normal, ça vous fait mal. Ouais, la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. C'est une souffrance cruelle, elle est prolongée que d'être née. Dans ce putain de monde, dans un putain de société, une société. Oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas. L'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible de faire martyriser, d'apaiser sa haine. Oui, ce système-là, reste pour ce bain de crasse. Une vie dangereuse de remettre toutes les choses en place. Oh oui, de bon cœur, où vous venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela peut vous quitter et vous laisser sans espoir, sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est classé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux? Cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale.